janvier 1953, un raz-de-marée secoua la mer du Nord. Les hautes vagues ont submergé la côte néerlandaise, tuant près de 2000 personnes. 54 ans plus tard, une tempête similaire a menacé la région. Mais cette fois, les Pays-Bas étaient prêts. Alors que l'eau montait, des capteurs informatiques de pointe ont activé le protocole d'urgence. Dans les 30 minutes, deux bras en acier de 240 mètres se sont déployés, protégeant le canal en amont. Avec des rotules de 680 tonnes, la barrière a pivoté au rythme des vents tournants et des vagues. Au matin, la tempête était passée, laissant des inondations minimes. La première activation du Maas Landkering eut un succès retentissant. Plus grande structure mobile du monde, cette barrière anti-tempête est une merveille d'ingénierie humaine. Mais le Maas Landkering n'est qu'une partie du système de verrouillage pour le contrôle des eaux connu sous le nom de plan Delta, le projet anti-inondation le plus sophistiqué au monde. Les Pays-Bas sont les précurseurs de la maîtrise des eaux. Le pays repose le long du delta de trois grands fleuves européens et près du quart de son territoire est sous le niveau de la mer. Cette géographie fait que le pays est très propice aux inondations, à tel point que certains des premiers membres de gouvernement formaient des comités de l'eau pour coordonner la lutte anti-inondation. Mais après l'orage de 1953, le gouvernement prit de nouvelles mesures officielles. Ils créèrent la Commission Delta, avec pour mission de protéger toute la région du Sud-Ouest. En ciblant les villes très peuplées, leur but était de réduire le risque annuel d'inondation à moins de 1 sur 10 000, soit 100 fois plus sûr qu'une ville côtière moyenne. Pour atteindre ce noble but, il fallait construire plusieurs infrastructures le long de la côte ouest. La première ligne de défense serait d'endiguer les estuaires propices aux inondations. Ces larges bras de mer ont alimenté beaucoup de rivières du pays en mer du Nord, et lors des tempêtes, ils ont permis aux eaux de crue de déferler dans les terres. Avec des barrages, la Commission Delta transformerait ces estuaires en grands lacs qui formeraient des réserves naturelles et des parcs publics. Par contre, cette solution ne s'appliquerait pas à la voie navigable. Pierre angulaire du transport maritime local, cette voie serait ouverte dans de bonnes conditions et serait verrouillée à l'arrivée des orages. En 1998, le Maas Landkering terminé offrait la protection modulable demandée. Avec des barrières supplémentaires telles que des digues végétalisées et des murs en béton, ces fortifications forment le cœur du projet du plan Delta, dont la mission principale est de bloquer les tempêtes océaniques. Dans les années qui suivirent, les Néerlandais ont ajouté d'autres dispositifs pour compléter le plan Delta et protéger les terres reculées des inondations. Dans le cadre du plan Place à la rivière, fermes et digues ont été déplacées loin du rivage. L'espace libéré a permis de recueillir l'eau dans les basses plaines inondables, créant des réservoirs et des habitats pour la faune sauvage. Ce recul a non seulement réduit les risques d'inondation, mais les structures délocalisées ont été reconstruites de façon plus dense et plus durable. Aucune ville n'incarne l'approche multidimensionnelle des Pays-Bas en matière de gestion de l'eau aussi bien que Rotterdam, une ville prospère presque totalement sous le niveau de la mer. Quand une tempête menace, la population dense des vieux quartiers est protégée par des digues classiques, tandis que les quartiers récents ont été surélevés artificiellement avec des toits végétalisés pour stocker l'eau de pluie. Beaucoup d'édifices de la ville ont été modifiés pour stocker l'eau de pluie, dont des parkings et des esplanades qui sont en principe utilisés comme théâtre ou terrain de sport. Dans le port, des pavillons flottants montent avec le niveau de l'eau. Ce ne sont que les premiers d'une série de structures amphibies, parmi lesquelles des systèmes de purification d'eau et des panneaux solaires. Ces stratégies ne sont que quelques-unes des technologies et politiques qui ont fait des Pays-Bas un pays à la pointe de la gestion de l'eau. Le pays continue à chercher comment rendre les villes plus résilientes face aux catastrophes naturelles. Et alors que la montée des eaux due au changement climatique menace tant de villes côtières dans le monde, les Pays-Bas sont le parfait exemple du comment surfer sur la vague. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophies étonnantes, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore? Abonnez-vous à cette chaîne!
Restez à l'écoute. Soyez curieux.